péché, ça reste un grand plaisir, un grand honneur pour vous. Ça y est, ils sont prêts. Ils ont mis le bonnet. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est avec du hip-hop de neige, peut-être. On ne sait pas. On va voir. En tout cas, je vous dis à tout de suite. Merci à vous. Thank you.
Merci beaucoup. Boulevard du Rock. Merci, merci. Par contre, là, pour la scène, comment on fait? Parce que vous en avez cassé un. Voilà, il y a un spectacle à côté et Willy a décidé de foutre le bordel avec l'enceinte. Voilà, toujours. Qu'est-ce que t'en penses, Yo? Que dire, c'est Willy. C'est Willy, voilà. Tout son bordel dans le hall pendant qu'à côté, il y a le spectacle et il est fier de lui. Ben, voilà, c'est vrai. Faut se vanter. Voilà. On s'échauffe pour le deuxième passage. Ouais. Prêt pour le deuxième? Non. On va voir. Ah oui, chaud pour le deuxième passage? Non, pas chaud. Voilà. Tout le monde s'en fout alors. On verra bien ce que ça va donner. Allez. Bon, ben, je vais laisser ce passage de la troupe. Bon, alors si je te laisse te présenter en quelques mots, vous nous présenter la troupe ou le Parc du Rock. Alors voilà, moi je suis Jonathan, je suis le porte-danse de hip-hop au Boulevard du Rock. Et je suis venu avec deux coéquipiers, donc B-Boy Will et B-Boy Yo-Yo, voilà, on va faire un démo ce soir. On attend juste la musique parte, et voilà, vous allez avoir un petit peu de spectacle. Merci. Ça arrive bien. Et est-ce que tout le monde peut apprendre le hip-hop ou pas? Est-ce que c'est facile à gérer? Alors pour moi, oui, tout le monde peut apprendre le hip-hop. Après, c'est une danse en fait qui s'adapte au corps de chacun. On a chacun des styles différents. Et vous allez le voir quand on va danser, c'est l'avantage de cette danse en fait. Je ne dis pas que tout le monde peut avoir un top niveau et faire des championnats au niveau international, mais on peut quand même avoir un niveau en break, s'adapter. Si on est souple, on va faire des mouvements en souplesse. Si on a de la force, on va faire des mouvements en force. Vous allez voir les différents styles. Et c'est ça qui est bien, la danse hip-hop, elle est très très riche. On peut faire des mouvements debout, au sol, des trucs acrobatiques, des trucs plus poulets. On fait de la construction aussi aux autres, parce que c'est créatif, c'est de la danse. Donc voilà, s'il y en a qui veulent venir essayer, il y a des cours débutants au Boulevard du Rock, c'est le mercredi. Donc voilà, je vous encourage à venir essayer. Vous n'allez pas faire ce qu'on va faire nous là, vous n'inquiétez pas, il y a des bases, voilà. Et après on débute avec des choses telles, et après on évolue. Donc voilà, ceux qui veulent essayer, vous êtes bienvenus à l'école de danse, quand vous voulez. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez? Thank you.
s'enfuira, s'il vous plaît. Merci à vous, c'était pas mal, non?